Je suis désolé, mais je dis que la vérité. Et enfin, il y a si nous te perdre. Te souhaiter bonne chance. Yo mouto le kami dans la chance. Continue ko bala. Zami bali na yo. Bota na yo. Te souhaiter bonne chance. Yo maman. Zamba pambo la yo. Il y a un peu de moi. Bonjour. J'ai dit bonjour. Olivier, je t'ai pas appelé pour que tu reviennes dans Villanova, mais pour que tu donnes la danse. Parce que j'ai besoin d'une danse là maintenant là. Tu me dis ok, pas de problème. Bah, il commence à faire des cris. Il a fait beaucoup de cris en même temps, beaucoup de danses. J'ai dit, mais Olivier, moi je savais pas que tu chantais. Il me dit, Prince, moi je suis un artiste. Danser, chanter, ça c'est de l'art. Moi j'ai. Il a commencé à faire Abala et Abala. Abala, mon balai kitoko. Abala. Je dis Abala, c'est quoi? Il me dit non, c'est mon ami qui est avec moi. Quand c'est chaud, quand tout le monde me rejette, lui il est toujours là avec moi. J'habite avec lui. J'ai dit ah bon? Il m'a dit c'est une manière pour moi de l'hommager. J'ai dit ok. Je t'ai pas appelé ici pour hommager Abala. Je t'ai appelé parce qu'on est en train de chercher une danse là. Il me dit évidemment j'arrive. Il me dit Bandana koufela ya ya. Il est décédé. J'ai dit Olivier, on n'est pas dans un matanga ici pour que tu ramènes le bail de. Je lui dis, Olivier, on n'est pas dans un matanga ici pour que tu me racontes l'histoire de Yabala, il est décédé, machin. Là, on est en train de chercher une danse d'ambiance. Parce qu'on doit enjailler les gens. C'est pendant le fait, tout ça. Dans 3 mois, on sera dans le bon année, tout ça, dans le Noël, bonne année, tout ça. Faut que les gens dansent. Et je t'ai appelé parce que je sais que toi, tu es capable de me donner ce que je veux. Il me dit, évidemment, j'arrive. Je dis, mais non, moi, je veux pas que tu arrives. J'ai sorti $100 de mes poches. Je lui ai donné. Je lui ai dit, Olivier, donne-moi la danse qu'il faut. Il dit, quand je redonne le micro, il dit, là, communiquer nécrologie. La famille Mimi Masokobeno a perdu la maman Mami Masokobeno. La levée du corps sera à 12h85. À la cimetière de Maratamplan. À l'avenue des Marero.
J'ai dit, Olivier, donne-moi le micro. Il me l'a donné, j'ai dit, mais Olivier, je t'explique encore une fois. On n'est pas là pour les trucs de matanga, machin. On t'a appelé pour chercher un truc. Tu dois enjailler les gens, les gens doivent danser. Ils n'ont pas dansé dans tes trucs de matanga, machin, nanana. Il dit, mais après, les inspirations. Bon, il y aura un zéro. Bah, kotiba, kotiba, kotiba. Bah, moni, bah, simi, bah, tiki. Olivier, c'est vrai que t'es un génie. C'est vrai que t'es un génie. Il m'a dit, Prez, yo zwaroka kaboye, yo salalango, oyo yo. J'ai dit, bon, écoute, la fameuse danse de il est décédé. En fait, quand tu fais raconter comme ça, ça veut dire il est décédé. Moi, j'ai dit, écoute, bon, nous, on n'a pas besoin de chanter l'histoire des décès ici. Mais nous, on veut faire dans ce genre. Donc, il faut dire aux gens, maintenant, moi, je pris ça, je commence à dire, bon, robot, c'est la forme d'une femme qui est robot. Je commence à composer des trucs, genre une femme, quand tu n'as pas de respect pour lui, quand tu rentres dans une boîte, tu ne le dragues pas et puis tu veux passer à autre chose. La femme ne va pas fonctionner, la femme va fonctionner à la mode robotique. Donc, je commence à crier, allez, tout le monde est dans ces robots, c'est les robots. Donc c'est parti comme ça, c'était vraiment un génie, c'était une petite anecdote, histoire de vous dire qu'Olivier, c'est quelqu'un qui était très créatif, et tout ce qu'on peut lui dire, merci beaucoup Olivier pour ta disponibilité, pour ton hospitalité, pour tout ce que tu as montré aux Congolais, les pas des danses, qui était créatif, qui était vraiment constructif, repose en paix, rest in peace, on va jamais t'oublier, merci, c'était Fabregas. L'IDP est très content du fait que nous venons de voir l'un de nous, que nous avons combattu ensemble. Aujourd'hui, il est dans les tickets et il fait la fierté de la fédération Lualaba 1, Lualaba 2. Et l'IDP est très content de ces tickets et l'IDP va les soutenir jusqu'au bout. Et nous allons nous battre pour que l'ennemi du Lualaba soit pour dehors. Ce n'était pas facile. J'ai été soutenu dans la main d'une dame qui croit pour moi. Et nous avons confié ce problème devant Dieu. Il m'a amené, il m'a présenté chez le secrétaire général. Je pense que vous avez suivi les résultats. Je pense que c'est une personne qui est déterminée de travailler avec moi. Et moi, personnellement, j'essaierai de les voler pour que les acquis soient conservés, pour que le président de la République trouve qu'on voit là-bas, il y a des gens qui travaillent pour le progrès, pour le développement de l'Olaba. Prez, bonjour. J'ai dit bonjour. Olivier, je ne t'ai pas appelé pour que tu reviennes dans Villanova, mais pour que tu me donnes la danse. Parce que j'ai besoin d'une danse là maintenant. Là. Il me dit, ok, pas de problème. Bah, il
commence à faire des cris. Il a fait beaucoup de cris en même temps, beaucoup de danses. J'ai dit, mais Olivier, moi, je ne sais pas si tu chantais. Il me dit, presque, moi, je suis un artiste. Danser, chanter, ça, c'est de l'art. Moi, j'ai. Il a commencé à faire Abala et Abala. Abala, mon balai qui toque. Abala et. J'ai dit, Abala, c'est quoi? Il me dit, non, c'est mon ami qui est avec moi. Quand c'est chaud, quand tout le monde me rejette, lui, il est toujours là avec moi. J'habite avec lui. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit, c'est une manière pour moi de l'hommager. J'ai dit, ok. Je t'ai pas appelé ici pour hommager Abala. Je t'ai appelé parce qu'on est en train de chercher une danse là. Il me dit, évidemment, j'arrive. Il me dit, Bandana Koufela Yayaye. Il est décédé. Il est décédé. Il est décédé. Décédé. J'ai dit, Olivier, on n'est pas dans un matanga ici pour que tu ramènes le bail de. Je lui dis, Olivier, on n'est pas dans un matanga ici pour que tu me racontes l'histoire de Yabala, il est décédé, machin. Là, on est en train de chercher une danse d'ambiance. Parce qu'on doit enjailler les gens. C'est pendant le fête, tout ça. Dans 3 mois, on sera dans le bon année, tout ça, dans le Noël, bonne année, tout ça. Faut que les gens dansent. Et je t'ai appelé parce que je sais que toi, tu es capable de me donner ce que je veux. Il me dit, évidemment, j'arrive. Je dis, mais non, moi, je veux pas que tu arrives. J'ai sorti $100 de mes poches. Je lui ai donné. Je lui ai dit, Olivier, donne-moi la danse qu'il faut. Il dit, quand je redonne le micro, il dit, là, communiquer nécrologie. La famille Mimi Masokobeno a perdu la maman Mami Masokobeno. La levée du corps sera à 12h85. À la cimetière de Maratamplan. À l'avenue des Marero. Et d'Olivier, donne-moi le micro. Il me l'a donné, j'ai dit, mais Olivier, je t'explique encore une fois. On n'est pas là pour les trucs de Matanga, machin. On t'a appelé pour chercher un truc. Tu dois enjailler les gens doivent danser, ils doivent pas danser dans tes trucs de matanga, machin, mon ami. Il dit, mais après, c'est inspiration. Bon, il y aura un zéro. Bah, koti. Bah, moni, bah, simbi, bah, tiki. J'ai dit, Olivier, c'est vrai que t'es un génie. C'est vrai que t'es un génie. Il m'a dit, Prez, yo zoro kakaboye, yo salalango, oyo, yo. J'ai dit, bon, écoute, la fameuse danse de il est décédé. En fait, quand tu fais raconter comme ça, ça veut dire il est décédé. Moi, j'ai dit, écoute, bon, nous, on n'a pas besoin de chanter l'histoire des décès ici. Mais nous, on veut faire danser. Donc, il faut dire aux gens, maintenant, moi, je prie ça. Je commence à dire, bon, robot, c'est la forme d'une femme qui est robot. Je commence à composer des trucs, genre une femme, quand tu n'as pas de respect pour lui. Quand tu rentres dans une boîte, tu ne dragues pas et puis tu veux passer à autre chose. La femme ne va pas fonctionner, la femme va fonctionner à la mode robotique. Donc je commence à crier, allez tout le monde danser robot. Donc c'est parti comme ça. C'était vraiment un génie, c'était une petite anecdote, histoire de vous dire que Olivier, c'est quelqu'un qui était très créatif. Et tout ce qu'on peut lui dire, merci beaucoup Olivier pour ta disponibilité, pour ton hospitalité, pour tout ce que tu as. Montrer aux Congolais les pas des danses qui étaient créatifs, qui étaient vraiment constructifs. Repose en paix, rest in peace, on va jamais t'oublier. Merci, c'était Fabrica, je te remercie.
L'IDPS est très content du fait que nous venons de voir l'un de nous, que nous avons combattu ensemble. Aujourd'hui, il est dans les tickets et il fait la fierté de la fédération Lualaba 1, Lualaba 2. Et l'IDPS est très content de ces tickets et l'IDPS va les soutenir jusqu'au bout. Et nous allons nous battre pour que l'ennemi du Lualaba soit pour dehors. Que ce n'était pas facile. J'ai été soutenu par dans la main une dame qui croit pourquoi. Et nous avons confié ce problème devant Dieu. Il m'a amené, il m'a présenté chez les secrétaires sociales. Je pense que vous avez suivi les résultats. Je pense que c'est une personne qui est déterminée de travailler avec moi. Et moi, personnellement, j'essaierai de les voler pour que les acquis soient conservés, pour que le président de la République trouve qu'au Lualaba, il y a des gens qui travaillent pour le progrès, pour le développement de Lualaba. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, et voilà. Il y a triple bénédiction. Voilà. Bénédiction 1. Je l'exaucerai des cieux. Bénédiction. Je lui pardonnerai son péché. Deuxième bénédiction. Oh, la personne à bord de Oyo. Ote Boza et Bel. Botika Awa. Awa Eza et Kila Mokokota. Esther a kanisa ki na sala ka lo len ren seront désormais ouverts. Hey, na FDC. Dieu va susciter na ndenge na ye elonga. Na boni na FDC. Et je sanctifie Saint-Esprit. S'humilie. Les gens doivent s'humilier. Bah, il faut pas me quitter ça. Où sont nos bornes? Qu'on a donné à nos ancêtres. Zambé na fuka me libo sona yo. Ma bonne gonyonso. Koyangouya. Zamba zolou ke fuka ma. C'est trop. Ça doit s'arrêter. C'est que le signe. C'est moi qui m'aborde. Où sont les bornes de cette nation? Je te supplie. Prince, bonjour. J'ai dit bonjour. Olivier, je ne t'ai pas appelé pour que tu reviennes dans Villanova, mais pour que tu me donnes la danse. Parce que j'ai besoin d'une danse là maintenant. Là. Il me dit, ok, pas de problème. Bah, il commence à faire des cris. Il a fait beaucoup de cris en même temps, beaucoup de danses. J'ai dit, mais Olivier, moi, je ne sais pas si tu chantais. Il me dit, Prince, moi, je suis un artiste. Danser, chanter, ça, c'est de l'art. Moi, j'ai. Il a commencé à faire Abala et Abala. Abala, mon balé qui toque. Abala et. Je dis Abala, c'est quoi? Il me dit non, c'est mon ami qui est avec moi. Quand c'est chaud, quand tout le monde me rejette, lui, il est toujours là avec moi. J'habite avec lui. J'ai dit ah bon? Il m'a dit c'est une manière pour moi de l'hommager. J'ai dit ok. Je t'ai pas appelé ici pour hommager Abala. Je t'ai appelé parce qu'on est en train de chercher une danse là. Il me dit évidemment, j'arrive. Il me dit Bandana Koufela yaya. Il est décédé. J'ai dit Olivier, on n'est pas dans un matanga ici pour que tu ramènes le bail de. Je lui dis Olivier, on n'est pas dans un matanga ici pour que tu me racontes l'histoire de Yabala, il est décédé, machin. Là, on est en train de chercher une danse d'ambiance. Parce qu'on doit enjailler les gens. C'est pendant le fait, tout ça. Dans 3 mois, on sera dans le bonne année, tout ça, dans le Noël, bonne année, tout ça. Faut que les gens dansent. Et je t'ai appelé parce que je sais que toi, tu es capable de me donner ce que je veux. Il me dit, évidemment, j'arrive. Je dis, mais non, moi, je veux pas que tu arrives. J'ai sorti $100 de mes poches. Je lui ai donné. Je lui ai dit, Olivier, donne-moi la danse qu'il faut. Il dit, quand je redonne le micro, il dit, là, communiquer nécrologie. La famille Mimi Masokobeno a perdu la maman Mami Masokobeno. La levée du corps sera à 12h85. À la cimetière de Maratamplan. À l'avenue des Marero. Et d'Olivier, donne-moi le micro. Il me l'a donné, j'ai dit, mais Olivier,
Je t'explique encore une fois, on n'est pas là pour les trucs de matanga, machin. On t'a appelé pour chercher un truc. Tu dois enjailler les gens, doivent danser. Ils n'ont pas dansé dans tes trucs de matanga, machin, mon ami. Il dit, mais après, c'est inspiration. Bon, il y aura un zéro. Bah, kotiba, kotiba, kotiba. Bah, moni, bah, simbi, bah, tiki. J'ai dit, Olivier, c'est vrai que t'as un génie. C'est vrai que t'as un génie. Il m'a dit, Prèze, yo zoro kakaboye, yo salalango, oyo yo. J'ai dit, bon, écoute, la fameuse danse de il est décédé. En fait, quand tu fais raconter comme ça, ça veut dire il est décédé. Moi, j'ai dit, écoute, bon, nous, on n'a pas besoin de chanter l'histoire des décès ici. Mais nous, on veut faire danser. Donc, il faut dire aux gens, maintenant, moi, je prie ça. J'ai commencé à dire, bon, robot, c'est la forme d'une femme qui est robot. Je commence à composer des trucs, genre une femme, quand tu n'as pas de respect pour lui, quand tu rentres dans une boîte, tu ne le dragues pas et puis tu veux passer à autre chose. La femme ne va pas fonctionner, la femme va fonctionner à la mode robotique. Donc je commence à crier, allez tout le monde danser Robonzele. Donc c'est parti comme ça, c'était vraiment un génie, c'était une petite anecdote, histoire de vous dire qu'Olivier, c'est quelqu'un qui était très créatif. Et tout ce qu'on peut lui dire, merci beaucoup Olivier pour ta disponibilité, pour ton hospitalité, pour tout ce que tu as montré aux Congolais, les pas de danse, qui était créatif, qui était vraiment constructif. Repose en paix, rest in peace, on va jamais t'oublier. Merci, c'était Fabregas. L'IDPS est très content du fait que nous venons de voir l'un de nous, que nous avons combattu ensemble. Aujourd'hui, il est dans les tickets et il fait la fierté de la fédération Lualaba 1, Lualaba 2. Et l'IDPS est très content de ces tickets et l'IDPS va les soutenir jusqu'au bout. Et nous allons nous battre pour que l'ennemi du Lualaba soit pour dehors. Que ce n'était pas facile. J'ai été soutenu par dans la main une dame qui croit pourquoi. Et nous avons confié ces problèmes devant Dieu. Il m'a amené, il m'a présenté chez les secrétaires générales. Je pense que vous avez suivi les résultats. Je pense que c'est une personne qui est déterminée de travailler avec moi. Et moi, personnellement, j'essaierai de les voler pour que les acquis soient conservés, pour que le président de la République trouve qu'au loin là-bas, il y a des gens qui travaillent pour le progrès, pour le développement de l'Olaba. Prince, bonjour. J'ai dit bonjour. Olivier, je ne t'ai pas appelé pour que tu reviennes dans Villanova, mais pour que tu me donnes la danse, parce que j'ai besoin d'une danse là maintenant. Là. Il me dit, ok, pas de problème. Bah, il commence à faire des cris, il a fait beaucoup de cris en même temps, beaucoup de danse. J'ai dit, mais Olivier, moi je ne savais pas que tu chantais.
Il me dit, Prince, moi je suis un artiste. Danser, chanter, ça c'est de l'art. Moi j'ai. Il a commencé à faire Abala et Abala. Abala, mon balai qui toque. Abala. Je dis, Abala c'est quoi? Il me dit, non, c'est mon ami qui est avec moi. Quand c'est chaud, quand tout le monde me rejette, lui il est toujours là avec moi. J'habite avec lui. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit, c'est une manière pour moi de l'hommager. J'ai dit, ok. Je ne t'ai pas appelé ici pour hommager Abala. Je t'ai appelé parce qu'on est en train de chercher une danse là. Il me dit, évidemment, j'arrive. Il me dit, Bandana Koufela Yayaye. Nakoma Kokondo. Bakoma Koyembe Langa Ale. Il est décédé. Il est décédé. Il est décédé. J'ai dit, Olivier, on n'est pas dans un matanga ici pour que je ramène le bail de. Je lui dis. Je dis, Olivier, on n'est pas dans un matanga ici pour que tu me racontes l'histoire de Yabala, il est décédé, machin. Là, on est en train de chercher une danse d'ambiance. Parce qu'on doit enjailler les gens. C'est pendant le fait, tout ça. Donc dans 3 mois, on sera dans le bonne année, tout ça, dans le Noël, bonne année, tout ça. Faut que les gens dansent. Et je t'ai appelé parce que je sais que toi, tu es capable de me donner ce que je veux. Il me dit, évidemment, j'arrive. Je dis, mais non, moi, je veux pas que tu arrives. J'ai sorti 100 dollars de mes poches. Je lui ai donné. Je lui ai dit, Olivier, donne-moi la danse qu'il faut. Il dit, quand je redonne le micro, il dit, là, communiquer nécrologie. La famille Mimi Masokobeno a perdu la maman Mami Masokobeno. La levée du corps sera à 12h85. À la cimetière de Maratamplan. À l'avenue des Marero. Et d'Olivier, donne-moi le micro. Il me l'a donné, j'ai dit, mais Olivier, je t'explique encore une fois, on n'est pas là pour les trucs de matanga, machin. On t'a appelé pour chercher un truc. Tu dois enjailler les gens, les gens doivent danser. Ils ne doivent pas danser dans tes trucs de matanga, machin, mon ami. Il dit, mais après, les inspirations. Bon, il y aura un zéro. Bah, kotiba, kotiba, kotiba. Bah, moni, bah, simbi, bah, tiki. J'ai dit, Olivier, c'est vrai que t'as un génie. C'est vrai que t'as un génie. Il m'a dit, Prez, yo zoro kakaboye, yo salalango, oyo yo. J'ai dit, bon, écoute, la fameuse danse de il est décédé. En fait, quand tu fais raconter comme ça, ça veut dire il est décédé. Moi, j'ai dit, écoute, bon, nous, on n'a pas besoin de chanter l'histoire des décès ici. Mais nous, on veut faire danser le jardin. Il faut dire aux gens, maintenant, moi, je prie ça, je commence à dire, bon, robot, c'est la forme, c'est la forme. C'est la forme d'une femme qui est robot. Je commence à composer des trucs genre une femme, quand tu n'as pas de respect pour lui, quand tu rentres dans une boîte, tu ne le dragues pas et puis tu veux passer à autre chose. La femme ne va pas fonctionner, la femme va fonctionner à la mode robotique. Donc je commence à crier, allez tout le monde est dans ces robots, c'est les. Donc c'est parti comme ça, c'était vraiment un génie, c'était une petite anecdote, histoire de vous dire qu'Olivier, c'est quelqu'un qui était très créatif et tout ce qu'on peut lui dire. Merci beaucoup Olivier pour ta disponibilité, pour ton hospitalité, pour tout ce que tu as montré aux Congolais, les pas de danse, qui était créatif, qui était vraiment constructif. Repose en paix, reste in peace, on ne va jamais t'oublier. Merci, c'était Fabrica, je te remercie.
L'IDPS est très content du fait que nous venons de voir l'un de nous, que nous avons combattu ensemble. Aujourd'hui, il est dans l'étiquet et il fait la fierté de la fédération Lualaba 1, Lualaba 2. Et l'IDPS est très content de ces tickets et l'IDPS va les soutenir jusqu'au bout. Et nous allons nous battre pour que l'ennemi du Lualaba soit pour dehors. Que ce n'était pas facile. J'ai été soutenu par dans la main d'une dame qui croit au Lualaba. Et nous avons confié ces problèmes devant Dieu. Il m'a amené, il m'a présenté chez le secrétaire général. Je pense que vous suivez les résultats. Je pense que c'est une personne qui est déterminée de travailler avec moi. Et moi, personnellement, j'essaierai de retrouver pour lui pour que les acquis soient conservés, pour que le président de la République trouve qu'au Lualaba, il y a des gens qui travaillent pour le progrès, pour le développement de Lualaba. Je suis désolé, mais j'ai dit que la vérité. Il y a failli accueillir, sinon ça te perdre. Je souhaite bonne chance. Yo mouto le kia mi dans la chance. Continue ko bala. Zwa mi bali na yo. Bota na yo. To souhaite wa bonne chance na yo mama. Zamba pambo la yo.